Bien-aimés, rejoignez ce programme de 40 jours du 2 avril au 12 mai 2018 avec la prophétesse Frida et le pasteur bienvenu Manzioni. Prophetic Prayer Walking ou marche de prière prophétique. Marchez 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus en priant avec la tour de prière Summer. 40 jours pour abattre, ruiner et détruire toutes les forteresses de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. 40 jours pour bâtir, planter et manifester sa destinée en Christ. Retrouvez une vidéo guide par jour sur la tour de prière Summer. Rejoignez-nous tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80, code d'accès 10 77. Que l'ange de l'Éternel vous rencontre sur le chemin de votre destinée. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin. Oui, ce matin, car c'est encore la journée que le Seigneur a fait. Nous allons le célébrer, le louer, lui dire qu'il est bon, lui dire qu'il est puissant, lui dire que nous ne pouvons absolument rien faire sans lui, lui dire que si nous vivons, c'est parce que lui, il nous a accordé la grâce de vivre. Bien-aimés, célébrons notre Dieu, louons-le, car la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons le Seigneur, alléluia. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous venons encore te célébrer. Ce matin, nous venons encore chanter ta gloire. Ce matin, nous venons encore reconnaître ton autorité dans nos vies. Ce matin, nous venons encore t'honorer, Seigneur. Reçois la gloire, toi qui es notre Dieu. Reçois la louange, toi qui es l'auteur de nos vies. Reçois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'adoration. Reçois, Seigneur, ô Père éternel, les chants de nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te bénir, Seigneur, ce matin. Nous ne voulons pas commencer notre journée sur nos propres forces, sur nos propres efforts. Non, Seigneur, nous voulons commencer notre journée à te célébrer. Nous voulons commencer notre journée en te célébrant, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié ce matin. Tu es digne d'être glorifié dans nos vies ce matin. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être honoré dans nos vies ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence, Seigneur. Sois reconnu comme Dieu. Alléluia. Sois reconnu comme Dieu. Seigneur, mon âme te chante ce matin. Mon âme chante, alléluia, ce matin. Mon âme te reconnaît ce matin comme l'auteur de ma vie, comme l'auteur, Seigneur, de ce que je suis. Car la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Mon âme reconnaît que tes bontés se sont renouvelées pour moi ce matin. Mon âme reconnaît que tes bontés se sont renouvelées pour moi ce jour. Je viens te bénir, je viens élever ton nom, Seigneur. Je viens louer ton nom, mon Dieu. Je viens, Seigneur, exalter ton nom. Je viens honorer ton nom, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Que tout ce qui est en moi crie hosanna ce matin. Oui, ce matin, Seigneur, mon cœur se tourne vers toi. Ce matin, mes pensées se tournent vers toi. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon esprit se tourne vers toi. Pour dire, Seigneur, que sois loué. Pour dire, Seigneur, que sois béni. Pour dire, Seigneur, que sois adoré. Alléluia. Reçois les compliments qui viennent de mon cœur. Reçois les compliments qui viennent de mon cœur, Seigneur. Ce ne sont pas seulement les paroles de la bouche, mais les pensées de nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, ce matin, nous te célébrons. Nous te célébrons car tu es l'auteur de nos vies. C'est toi qui nous donnes la vie. Sans toi, nous ne sommes absolument rien, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la louange, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 118, à partir du verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je répète encore, la Bible dit dans le psaume 118, à partir du verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés, alors que nous sommes le matin, nous allons maintenant dire, Seigneur, c'est la journée que tu as faite. C'est la journée que tu as faite, que cette journée soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur pour dire que cette journée puisse être pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci car c'est la journée que tu as faite.
Ce matin, nous venons dire, Seigneur, c'est la nouvelle journée que toi, tu as faite, Seigneur. C'est toi qui as fait cette journée. Seigneur, nous déclarons maintenant ce matin que cette journée, Seigneur, sera un sujet de joie pour nous. Que cette journée, Seigneur, sera un sujet de joie et d'allégresse dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, ce matin, que cette journée est, Seigneur, pour moi, un sujet de consolation dans le nom de Jésus. Cette journée, Seigneur, est pour moi, Seigneur, un sujet, Seigneur, de jouissance dans le nom de Jésus. C'est la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie, un sujet de bonheur dans le nom de Jésus. Alléluia. Là où j'avais des problèmes, là où j'attends une réponse quelconque, là où je m'attends à quelque chose, que cette journée soit pour moi un sujet de consolation, que cette journée soit pour moi un sujet de bénédiction, que cette journée soit pour moi un sujet de bonne nouvelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je dévance l'aurore ce matin. Je dévance l'aurore pour déclarer, Seigneur, sur ma journée, pour déclarer sur cette journée que tu me donnes, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que cette journée est pour moi, Seigneur, une journée, Seigneur, de délices. Une journée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, de gloire. Une journée, Seigneur, de bénédiction. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, cette journée, Seigneur, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour moi une journée, Seigneur, de bénédiction, une journée, Seigneur, de bonne nouvelle, une journée, Seigneur, où je veux voir ta gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car c'est la journée que tu as faite, c'est la journée que tu as faite, ce n'est pas une journée qui est faite par l'ennemi, ce n'est pas une journée qui est faite par les ennemis de ma vie, mais c'est la journée, Seigneur, que toi tu as faite. C'est la journée que toi tu m'as donnée. C'est la journée que toi, Seigneur, tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, alléluia. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, alléluia. Je déclare, Seigneur, que je me réjouis en elle, dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que je me réjouis en cette journée. Je me réjouis en cette journée. Je suis d'avance dans la joie, car je sais que en cette journée, ta gloire va se manifester. Je suis d'avance dans la joie, car je sais que en cette journée, Seigneur, ta gloire, Seigneur, va se manifester. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Comme David avait dit, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Alléluia. Oui, Seigneur, je déclare que cette journée, je serai, Seigneur, dans l'allégresse et dans la joie. Alléluia. Alléluia. Car toi, tu vois ma misère. Tu connais ma misère. Tu connais notre misère. Tu sais les angoisses de nos cœurs. Tu sais, Seigneur, les pensées de nos cœurs. Tu connais nos craintes. Tu connais nos détresses, Seigneur. Et je déclare ce matin que cette journée est une journée, Seigneur, de gloire. Est une journée de joie, Seigneur. Est une journée, Seigneur, où je veux me réjouir. Je veux me réjouir en cette journée, dans le nom de Jésus. Cette journée, Seigneur, est une journée dans laquelle je vais me réjouir, mon Dieu, mon roi. Je vais me réjouir, car tu vas me faire du bien. Tu vas me faire du bien. Tu vas me faire du bien. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, je crois qu'en cette journée, tu me donnes ce que mon cœur désire. En cette journée, tu me donnes ce que mon cœur désire, dans le nom de Jésus. En cette journée, Seigneur, tu me consoles, Seigneur, car tu es le Dieu de ma consolation. Tu es le Dieu de ma consolation. En cette journée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est une journée où, Seigneur, tu vas me donner la joie. C'est une journée, Seigneur, où je vais avoir, Seigneur, ton soutien dans tous les domaines, Seigneur, dans tous les domaines. Cette journée, Seigneur, c'est une journée dans laquelle je vais avoir, Seigneur, ton appui. Tu vas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me soutenir. Tu vas, Seigneur, être avec moi et tu vas me donner ta joie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour cette journée, car c'est la journée que tu as faite et elle est pour moi, Seigneur, un sujet de joie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de commander notre journée. Nous sommes en train de planifier notre journée. Nous sommes en train de remettre notre journée entre les mains du Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu vas dire, alléluia, tu vas dire, je renverse maintenant toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ma vie en ce jour. Alléluia. Tu vas renverser. Alléluia. Tu renverses toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ta vie en cette journée. Au nom
nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur, je viens maintenant. Je viens, Seigneur. Je viens renverser. Je viens renverser toute énergie négative. Je viens renverser toute réunion, Seigneur. Oh, du monde des ténèbres. Qui planifie d'opérer contre ma vie en ce jour, au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres contre ma vie, Seigneur, en ce jour, je le brise maintenant au nom puissant de Jésus. Je renverse toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je renverse, je taille en pièces. Alléluia. Toute réunion des ténèbres qui a été planifiée cette nuit pour opérer contre ma vie en cette journée. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Je viens maintenant prendre autorité contre toutes les terreurs de la nuit. Alléluia. Tous les terroristes de la nuit qui ont comploté contre moi pour pouvoir me faire tomber dans la journée. Je brise maintenant, alléluia, leur réunion au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je renverse toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ma vie en ce jour au nom puissant de Jésus. Je renverse toute réunion de sorciers qui planifie d'opérer contre ma vie en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, je les taille en pièces, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je brise cela, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, car c'est ici la journée que tu as faite, et elle est pour moi un sujet de joie, alléluia, car c'est ici que la journée que toi tu as créée, c'est la journée que tu as faite pour qu'elle soit pour moi un sujet de joie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, nous avons invoqué le sang de Jésus. Tu vas dire, oh Seigneur, c'est la journée que tu as faite, que ton sang puisse aplanir mes chemins, que ton sang puisse aplanir tout ce que je veux faire, que tout soit, que ton sang puisse aplanir toutes choses et que je sois couverte par ton sang en cette journée, que ma famille soit couverte par ton sang en cette journée, que mes enfants soient couverts par ton sang en cette journée. Prions le Seigneur, invoquant le sang de Jésus sur notre journée, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, ce matin, invoquer ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang sur ma vie, en cette journée, sur cette journée, oui, c'est la journée que tu as faite, Seigneur. Que ton sang aplanisse tous mes chemins ce jour. Que ton sang puisse aplanir maintenant toutes mes voies ce jour. Que ton sang aplanisse maintenant tout ce que je veux faire ce jour, oh Seigneur. Que ton sang me couvre. Que ton sang couvre ma famille. Que ton sang couvre mes enfants. Que ton sang couvre ma maison. Que ton sang couvre toutes choses, car c'est la journée que toi tu as faite. Oui, Seigneur, elle est pour moi un sujet de joie. Et ton sang me couvre. Et ton sang me couvre. Que ton sang me couvre. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie, Seigneur. Que ton sang me purifie, Seigneur. Et que ton sang me rende invisible. Invisible, inaccessible au monde des ténèbres. Car, Seigneur, je vis la bénédiction de la journée que tu as faite pour moi. Oui, car je vis la bénédiction de la journée que tu as faite pour moi. Seigneur, que ton sang aplanisse toutes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton sang aplanisse toutes choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Alléluia. Car c'est la journée que tu as faite. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aussi prendre autorité. Car des fois, quand nous faisons des rêves, tu fais un rêve. Mais le rêve est vraiment réel. C'est les choses que tu as rêvées sont vraiment réelles. Et le matin, nous devons briser tout pouvoir des rêves dans nos vies. Nous devons briser tout pouvoir des rêves qu'on a pu faire pour que notre journée puisse être aplanie. Alléluia. Maintenant, tu vas dire maintenant, oh, j'annule maintenant tout pouvoir maléfique qui est venu dans mon rêve dans le nom puissant de Jésus. J'annule maintenant tout pouvoir maléfique qui est venu dans mon rêve dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que ma journée est bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Prions dans ce sens. Alléluia. Ô Seigneur, ce matin, nous venons encore. Nous brisons maintenant. Nous brisons, Seigneur, tout pouvoir, Seigneur, qui est venu dans nos rêves pour, Seigneur, briser nos vies, pour pouvoir, Seigneur, faire des incantations maléfiques. Nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus. J'annule, Seigneur, au nom de Jésus, tout pouvoir maléfique qui est venu, Seigneur, dans mon rêve, qui est passé par mon rêve
pour pouvoir atteindre mon corps, pour pouvoir atteindre mon âme. Je brise cela maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je taille en pièces tout pouvoir maléfique, tout pouvoir des ténèbres qui est passé par mon rêve pour pouvoir atteindre mon corps, pour pouvoir atteindre ma vie, pour pouvoir atteindre ma famille. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je brise cela, alléluia, je brise dans le nom puissant de Jésus, j'annule tout programme maléfique qui est passé dans mon rêve, j'annule tout programme de sorcellerie qui est passé par mon rêve pour pouvoir atteindre mes enfants dans le nom puissant de Jésus, et j'annule votre pouvoir sur ma vie au nom de Jésus, j'annule votre pouvoir sur ma maison au nom de Jésus, j'annule votre pouvoir sur ma famille au nom de Jésus, j'annule votre pouvoir sur mes enfants au nom de Jésus, dans le 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 nom de Jésus, j'annule votre pouvoir sur ma vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, car c'est la journée que toi tu as faite, c'est la journée que toi tu as faite, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. La Bible déclare, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. C'est dans le psaume 113, verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Maintenant, tu vas prier sur ta vie. Tu vas dire, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel sera célébré dans ma vie. Alléluia. Le nom de l'Éternel sera célébré dans ma vie. Alléluia. Ma vie va être une bénédiction. Ma vie va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Prions dans ce sens. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Je déclare maintenant ce matin, du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom, Seigneur, va être célébré dans ma vie. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Seigneur, ton nom, Seigneur, va être chanté dans ma vie. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom, Seigneur, va être manifesté dans ma vie. Je déclare la bénédiction dans ma vie ce jour. Je déclare la bénédiction dans ma vie. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Seigneur, je déclare que je veux voir ta main manifestée. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit célébré dans ma maison. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié dans ma maison. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, je dis que ton nom soit honoré dans ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Car Seigneur, tu contrôles toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Tu es le commencement et la fin de ma vie. Tu es le premier et le dernier de ma vie, Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom, Seigneur, va être célébré. Ton nom va être célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom va être honoré dans ma vie. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom va être exalté dans ma vie. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom, Seigneur, va être manifesté dans ma vie. Manifesté dans ma vie dans le nom de Jésus. Manifesté dans ma vie. Alléluia. Manifesté. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom va être honoré dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, dans le psaume 121, verset 6, il est écrit, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Alléluia. « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. » Tu vas maintenant déclarer et dire que, en cette journée, le soleil ne te frappera pas. Le soleil ne te frappera point. Mais par contre, le soleil frappera tes ennemis. Le soleil frappera ceux qui te veulent du mal. Tout pouvoir du mal qui complotera contre toi ce jour, le soleil le frappera. Alléluia. Mais toi, le soleil ne te frappera pas. Car c'est la Bible qui le dit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ce qui veut dire que dans le soleil, il y a le pouvoir de frapper une vie. Dans le soleil, il y a le pouvoir de faire du mal. Raison pour laquelle vous voyez que les ennemis, les gens du monde des ténèbres utilisent ces choses-là pour faire du mal. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes là, nous sommes dans l'ignorance. Les gens des mondes du ténèbre utilisent le soleil, utilisent des éclairs, utilisent le tonnerre, utilisent ces choses. Mais c'est les enfants de Dieu qui devaient utiliser ces choses-là. Et toi, tu vas déclarer que le soleil ne te frappera pas. Et s'il y a eu des incantations sur ta vie par rapport au soleil, le soleil ne te frappera pas. Alléluia. Prions le Seigneur et déclare cela au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je déclare que le soleil, pendant le jour, le soleil ne me frappera pas. Au nom de Jésus.
Pendant ce jour, le soleil ne me frappera pas. Alléluia. Le soleil ne me frappera pas. Au contraire, le soleil va déraciner toute méchanceté qui viendra contre ma vie au nom de Jésus. Le soleil ne me frappera pas. Le soleil va déraciner. Le soleil va enlever toute méchanceté, toute mauvaise parole qui sera complotée contre ma vie en ce jour au nom de Jésus. Le soleil va coopérer avec moi. De la même manière que le soleil avait coopéré avec Josué. De la même manière que le soleil avait coopéré avec Josué. Le soleil va coopérer avec moi. Je ne serai pas frappé ce matin. Dans le nom de Jésus, je ne serai pas frappé ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le soleil va déraciner toute méchanceté qui viendra contre ma vie au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, le soleil, le soleil, le soleil va projeter des bénédictions sur ma vie. Des bénédictions sur ma vie, des bénédictions sur ma vie. Car lui, il ne me frappera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, le soleil va porter des bénédictions pour moi. Le soleil de la justice va se lever pour me bénir en cette journée. Au nom de Jésus, il ne me frappera pas. Il ne me frappera pas. Car David a dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ni la lune pendant la nuit. Alléluia. Il ne me frappera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare aussi que le soleil annule tous les programmes maléfiques qui ont été écrits contre moi. Tous les programmes maléfiques qui ont été programmés contre moi. Le soleil l'annule au nom de Jésus. Le soleil a coopéré avec Josué. Le soleil a coopéré avec Josué. Il n'a pas bougé. Le soleil coopère aussi avec moi. Le soleil coopère aussi avec ma vie. Dans le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il ne me frappera pas. C'est pour cela qu'il ne me frappera pas pendant le jour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tout ce qui est de l'ennemi soit combattu dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est de l'ennemi soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant briser. Tu vas briser tout autel, tous les autels. Alléluia. Tous les autels sur lesquels on a mis ton nom. Alléluia. Tu vas les renverser. Tu vas dire tout autel maléfique sur lesquels on a mis mon nom. Je les renverse maintenant au nom puissant de Jésus. Toute réclamation satanique qui est sur ta vie, tu dis, je le brûle maintenant au nom de Jésus. Le matin, tu fais une prière de décret, tu fais une prière de proclamation. C'est le matin que tu combats. Alléluia. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons lu, je vous ai dit, nous avons vu que Moïse, à chaque fois que Dieu envoyait Moïse à Pharaon, le matin, très tôt le matin, c'est le matin qu'il allait donner la sentence à Pharaon. C'est pour cela que tu vas dire, tout autel maléfique sur lequel on a mis ton nom, tu le renverses maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom puissant de Jésus, je renverse maintenant tout autel sur lequel on a mis mon nom, dans le nom puissant de Jésus. Tout autel maléfique, tout autel de sorcellerie, tout autel de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a comploté contre moi pour ce jour, je le renverse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je vous renverse au nom de Jésus. Tout autel maléfique sur lequel on a mis les noms des membres de la tour de prière, nous vous renversons maintenant au nom de Jésus. Et nous vous brûlons par le feu de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout autel ancestral qui réclame nos vies, tout autel ancestral qui réclame la vie de mon frère, qui réclame la vie de ma sœur, je vous brûle maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, je détruis maintenant ce matin toute connexion maléfique qui est entre la vie de mon frère, la vie de ma soeur et sa famille. Et sa famille, je prie cela maintenant au nom de Jésus. Toute connexion maléfique dans le nom de Jésus. Nous détruisons toute connexion maléfique entre les personnes qui sont en Europe et l'Afrique qui les réclament à chaque fois. Nous brisons cela au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les écritures maléfiques qui ont été programmées par les agents du diable contre la vie des membres de la tour de prière, nous vous brisons maintenant au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Et que cela soit effacé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous vous renversons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute réclamation familiale qui est sur la vie d'une personne maintenant soit effacée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons prier maintenant. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, fais en sorte que mon cœur tout entier soit tranquille et confiant en toi aujourd'hui. Que mon cœur tout entier soit tranquille et confiant en toi aujourd'hui. Car il a dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Nous allons prier pour nos cœurs, que nos cœurs soient tout entiers tranquilles et confiants en Christ Jésus. Aujourd'hui, que nous puissions vraiment être dans la confiance en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je viens te confier mon cœur ce jour. Seigneur, fasse que mon cœur, Seigneur, que mon cœur tout entier, fais que mon cœur tout entier soit tranquille, Seigneur. Que mon cœur soit confiant en toi aujourd'hui. Seigneur, qu'en ce jour, je puisse te faire confiance encore. Qu'en ce jour, Seigneur, que je sois, Seigneur, basé en toi, Seigneur. Oh, fais que mon cœur entier soit tranquille et confiant en toi aujourd'hui. Que mon cœur, Seigneur, puisse avoir foi en toi aujourd'hui. Que mon cœur, Seigneur, puisse compter sur toi, Seigneur. Que je puisse compter sur toi en ce jour. Que je puisse compter sur toi. Que je puisse compter sur toi et non sur mes efforts. Que je puisse compter sur toi et non sur ma famille. Que je puisse compter sur toi et non sur une personne, Seigneur, mortelle. Mais que je compte sur toi. Oh, Seigneur, que mon cœur entier soit tranquille et confiant en toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas lui dire encore, Seigneur, qu'en ce jour, ma communion avec toi devienne encore plus grande aujourd'hui. Qu'en ce jour, Seigneur, ma communion avec toi puisse encore grandir, puisse encore avancer, Seigneur, que dans ma vie spirituelle, je puisse encore gagner encore en confiance, gagner en foi, que je puisse, Seigneur, améliorer encore ma connexion avec toi, Seigneur. Alléluia. Prie pour ta communion avec Dieu aujourd'hui. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je prie encore ce matin que ma communion, Seigneur, avec toi devienne encore de plus en plus grande aujourd'hui. Que ma communion avec toi devienne encore de plus en plus, Seigneur, mon Dieu, m'aura une vraie communion. Une vraie communion, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ma communion avec toi, Seigneur, devienne de plus en plus forte aujourd'hui. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma communion avec toi, Seigneur, puisse grandir. Que ma communion avec toi, Seigneur, puisse grandir dans le nom de Jésus. Seigneur, que ma communion avec toi, alléluia, puisse devenir encore plus abondante. Que ma communion avec toi, Seigneur, puisse encore devenir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de plus en plus puissante, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ma communion avec toi puisse grandir. Que ma communion avec toi puisse devenir de plus en plus forte, Seigneur. Que ma communion avec toi, Seigneur, puisse devenir de plus en plus large, Seigneur. Que je puisse me confier encore à toi. Que je puisse me confier encore à toi, Seigneur. Que, Seigneur, ta grâce abondante puisse encore abonder en moi, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, je te prie que ma communion devienne encore de plus en plus grande aujourd'hui avec toi. Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Oui Seigneur. En ce jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je puisse encore gagner en confiance, que je puisse encore gagner dans ma foi, que je puisse encore gagner dans ma vie spirituelle. Seigneur, que je puisse encore grandir avec toi, grandir en Christ, grandir, Seigneur, et que tu sois formé en moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.